bienvenue sur la chaîne Roue Guitare. Alors là, je vous ai gâté puisque spécialement pour votre Noël, vous avez droit à un petit blues, spécial Noël. En fait, je vous ai fait une petite version arrangée de Merry Christmas Baby de Elvis Presley, le King, rien de moins. Alors c'est un petit blues en sol super simple, sol, sol, do, do, sol, sol, ré, ré. Je vais vous expliquer ça dans un instant et si vous voulez apprendre en fait juste le riff, vous allez déjà pouvoir vous amuser. Vous allez juste la décaler en fait, la même chose. Et si vous voulez l'enrichir, on peut rajouter des notes de basse. Et un petit turnaround. Etc, etc. C'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. On suit une grille de blues en sol, super basique. Sol 7, le premier degré. Le quatrième degré, le Do 7. On joue à trois doigts. On revient sur le Sol 7. Et ensuite le cinquième degré, le Ré 7. Alors en fait, vous allez laisser la première mesure de vide pratiquement, sauf le dernier temps qui va être rempli par un triolet. Ça va être compté comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est un triolet de croche. 0, 1, 2. Donc la troisième frette tombe sur le temps, le sol. Donc c'est le début en fait. 1, 2, 3, 4. Là ça va être un sol 6. Attention, jouez en triade. Vous allez faire la même chose sur la case numéro 3. Donc ça fait 5, 4, 5, 3, 2, 3. Rien que ça, vous avez un truc qui sonne. Vous allez faire la même chose, une corde plus bas en fait. Et là évidemment si vous faites, ça va pas fonctionner. Donc au lieu d'avoir le Do 6 ici qui est tout à fait valide en fait, ça va être exactement la même chose, vous allez le prendre ici. Donc si on vous demande un jour de jouer un Do 6, vous jouez comme votre Do majeur ici, mais vous allez rajouter la 6 ici. Alors il sonne pas terrible tout seul comme ça, mais en triade, fonctionne très bien. Alors on révise. 1, 2, 3, 4. Faites tourner. Passe au Do. Do. Triade. Vous pouvez remplir. Passe au Ré 7. Et donc au lieu de faire, on va le faire ici à la 7e case, le demi barré. Ensuite au lieu de faire, donc revenir sur le Do, ce qui sonne un petit peu trop évident, j'ai préféré faire un. Donc là on va faire un petit bend à partir de la 5e, donc demi-ton. Vous allez le compter comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ensuite, évidemment, vous pouvez improviser ce que vous voulez. Donc là, je me suis basé sur un sol majeur pentatonique. Sauf que là, je rajoute quand même le petit slide. Rien que ça, ça sonne déjà très très bien, le petit slide. 3, 4, 5, pardon. 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3. C'est mieux de terminer sur la troisième case, donc c'est un Sol. Pourquoi ? Parce que vous allez jouer un Sol. Sol 7. Le dernier turnaround, c'était celui-là. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Donc là, vous avez la troisième case, corde de Ré.
Et la corde à vide de sol. Deuxième case. Première case. À vide les deux cordes. Super, facile. Et là. Petit rappel du reset. Et vous pouvez terminer même avec mon fameux majeur 9-6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. etc. Alors, il n'était pas sympa ce petit blues de Noël. Eh bien, écoutez, ça a été un vrai plaisir pour moi. Si vous souhaitez me remercier, abonnez-vous à la chaîne Roue Guitare car j'en ai plein d'autres des blues faciles, accessibles, juste pour vous. Vous ouvrez la description de cette vidéo. En fait, j'ai une playlist avec tous mes blues faciles. Vous allez pouvoir les apprendre et impressionner vos amis. Par là même, si cela vous intéresse de suivre des formations guitare dans les styles jazz, delta blues, picking ou tout simplement blues, blues acoustique, blues électrique, eh bien j'ai besoin de connaître votre avis pour savoir quel type de formation vous intéresserait. Donc il y a un petit lien, vous ouvrez la description de cette vidéo et vous cliquez et vous votez, vous me dites quel type de formation vous intéresserait le plus. Voilà, merci beaucoup pour votre aide, ça m'aide énormément à développer cette chaîne et à faire des tutoriels qui vous intéressent vraiment, pas juste des trucs qui m'intéressent moi. Si on peut faire les deux, eh bien, c'est tout bénéfice. Bon, j'ai trop parlé, donc je vous souhaite des vacances de Noël tout en musique. À très bientôt. Bye bye.